Lorsque j'ai été choisie pour la prunelle de mes yeux, au départ j'ai passé une audition et donc il fallait déjà passer l'audition en imaginant qu'on était aveugle. Donc on le fait un peu instinctivement dans ce qu'on a pu observer, etc. Et finalement, on est déjà dans une forme de cohérence avec soi. Et puis après, j'ai vraiment travaillé à l'INJA, qui est l'Institut National des Jeunes Aveugles, où j'ai rencontré beaucoup d'aveugles, où j'ai eu un instructeur qui m'a appris à me déplacer avec une canne, à comprendre l'univers des aveugles, à quel était leur rapport à l'autre, aux voyants, aux non-voyants, à la sensualité, à la musique, etc. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à travailler mon rôle. Je pense qu'il faut aller voir ce film parce que c'est pas qu'il réinvente, quand on dit une comédie romantique, il n'est pas dans le cliché de la comédie romantique, qui est un genre de cinéma que j'adore. C'est un film d'amour très original, c'est un film très singulier, où il y a un lyrisme extrêmement particulier, où les personnages sont très fortement léchés, rien n'est laissé au hasard. Et ce que j'aime dans ce film, c'est l'originalité. L'histoire, bien sûr, c'est une histoire d'amour au départ entre deux personnes que tout oppose, comme souvent sont les comédies romantiques. Mais là, on rentre dans quelque chose de très tragique par moments, qui donne une forme de joie et d'humour très particulier. Je pense que le bien n'existe pas sans le mal, et parfois, la joie, le bonheur ne peut pas exister non plus sans le malheur. Et je trouve qu'Axelle Rauper, dans son film, la réalisatrice, elle réussit très bien ça.